Ivoiriens, Ivoiriens, mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour que je m'adresse à vous. Les Ivoiriens, vous avez un incroyable talent. Et ça, franchement, je suis fier de vous et je vous dis bravo, bravo, bravo. Alors, j'ai entendu dire que vous dites que la pièce qui coûte 5000 francs CFA est trop chère. Oui, la somme de 5000 francs CFA pour le renouvellement d'une pièce d'identité est chère. Oui, je suis d'accord, mais vous allez payer. Je suis au courant de vous. Quand vous draguez une go, vous allez d'abord au maquis, vous allez prendre un poulet qui coûte 4000 francs CFA, vous allez boire, le jeune va prendre 3 bières qui coûtent 1500 francs CFA, la fille va prendre une sucrerie qui coûte 600 francs CFA, sans oublier quand la nourriture va venir de poulet, vous allez prendre deux bouts de la tchèque, le chassé qui coûte 200 francs CFA, ça fait 400. Pendant que vous mangez, il y a des vendeurs ambulants qui rôdent à côté, qui vendent des biscuits, des bonbons, des chocolats, et va certainement prendre ce qui coûte le plus cher. Oui, et quand ils vont finir de manger, il faut aller se reposer. Quand on dit se reposer en Côte d'Ivoire, on sait ce que ça veut dire. Et quand ils vont partir, il faut emprunter un taxi. Le taxi qui va coûter au minimum 3000 francs CFA. Et si le jeune a un chez lui, tant mieux. S'il n'a pas un chez lui, il faut aller à l'hôtel. Les hôtels avec les ampoules rouges, une heure coûte 1500 francs CFA ou 2000. Il va forcément prendre 2 heures. Et si c'est à Cocody, il va envoyer la fille. Alors, il faut payer une heure. Au moins 5000 francs CFA. Il va prendre encore 2 heures, ce qui fait 10000 francs CFA. Et quand ils vont finir, il faut accompagner la fille. L'argent de poche. Il va donner au minimum 15000 ou 20000 francs CFA. Alors, Ivoiriens, Ivoiriens, mes chers compatriotes, oui, une seule nuit. Une seule nuit, quand vous calculez ce que vous avez dépensé, ça fait combien? 48 500 francs CFA, juste pour une nuit, pour un plaisir de 5 minutes. Et ce qui me fait le plus, ce qui me fait mal, il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à atteindre 3 minutes. Maintenant, on vous demande de renouveler une pièce d'identité qui coûte 5000 francs CFA pour 10 ans. Vous trouvez que c'est cher? Franchement, les Ivoiriens, je vous dis encore bravo, bravo. Je suis fier de vous. Dansez, amusez-vous, faites des meetings, faites des tapages, comme le dit chez nous, mais vous allez payer les 5000 francs CFA. Je vous remercie. Moto moto 4x4. Démarrer ta moto. Moto moto 4x4. Allez, rakata kata, dougouza mouta. Voilà les gars, on débat en roue casse-casse parce que le problème même est un problème roue casse-casse. C'est une affaire de Burida. Vous-même, vous savez, Burida, depuis un moment, il y a trop de problèmes là-bas. Chacun se lève, il dit ce qu'il veut. Il y en a qui se lèvent, ils ne sont pas contents. Il y en a qui disent qu'ils ont raison. On ne comprend rien. Donc, on a décidé de convoquer les parties prenantes pour que chacun dise ce qu'il pense de cette affaire de Burida. Alors, tout de suite, je vais vous présenter les différents acteurs qui ont bien voulu répondre présents. On a déjà... Fadalde, mon vieux père, il est là déjà. Tout bien, bien sur la voie. Voilà, c'est Fadalde ça. Et je vois Patsako qui est venu. Voilà, le grand Pat. Après, madame la directrice,
Madame la directrice Viera, elle aussi, elle est venue, elle n'a pas voulu manquer. Elle est là. Et puis je vois le PCA lui-même qui est là. PCA, vous allez bien? Là, on est gâté. Pour mieux comprendre les choses, le ministre même s'est déplacé. Rien que pour venir, parce qu'il ne voulait pas que rien dise quelque chose dans son dos. Donc le ministre même est là. Monsieur le ministre, avec tout mon respect, essayez de vous installer déjà. Installez monsieur le ministre de l'autre côté, sur la terrasse. Voilà. Monsieur le ministre, on va vous donner café et vous prenez votre temps, lisez les journaux et on va revenir tout à l'heure à vous. Alors, mesdames et messieurs, on ne va pas perdre le temps. On dit quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. On va tout de suite poser la question à chacun de savoir de quoi il s'agit au juste. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ils sont là tous les jours, on ne peut pas dormir là. Fadalde, c'est quoi le problème au juste? Au Buruda là, c'est quoi le problème? Oui, madame Viera. Et que. C'est ça que tu as dit, elle n'a pas parti. D'accord. Ok. Bon, non, il n'y a pas de souci. On a compris. Non, madame Viera, calmez-vous d'abord. Vous allez répondre tout de suite. Ne vous en faites pas. Vous allez avoir la parole. Attendez, je vais demander. Passe à gauche. Tu as quelque chose à dire, non? Toi, tu parles pas. Tant que le ministre est là, toi, tu parles pas. Pour les 50 millions là, ça t'a fatigué un peu. Oui, madame. Bon, ok, madame Viera. Ok, quand vous insistez, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Hein? Ok. Non, mais les fédérales disent que vous avez organisé Téléthon et que. Vous avez mis 50 millions dedans et puis après vous dites que vous avez eu, je sais pas si c'est 20 millions. Vous avez, et puis, c'est, oui, c'est ça, ils ont dit que c'est une faute lourde. C'est ça, ils ont dit là. C'est ça, ils ont dit. Ah bon, après, bon, d'accord, c'est pas bon, ok, on vous. D'accord, on a compris, on vous a écouté. PCA, bon, qu'est-ce que toi tu dis dans tout. C'est pas toi, ils ont chassé là. Tu es revenu encore. Oh. Mais toi, ton problème là, c'était quoi? C'est une affaire de double signature. Comme toi, tu comprends rien donc. Là, c'est ça, tu es revenu pour mieux comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, je pense que dans tout ce qu'on est en train de dire là, il y a un acteur important qu'on a oublié. Même s'il n'est plus là, il faut quand même savoir ce qu'il pense de cette situation. Voilà. Et j'ai tenu à l'appeler. Voilà, c'est. Attends, ici, il ne dort pas même. Le grand Gagné s'est dit Saint-Jo. Le de France, là aussi, c'est loin de. Allô? Pardon, ça ne sonne pas. Il a oublié. Il n'a pas décroché. Allô? Ouais, le vieux père. Gagné, c'est lui. C'est le dernier, là. Brengue, c'est doux. le vieux. Mais j'ai dit, oh. En fait, je t'appelais là pour un problème un peu délicat. Là. C'est affaire de. Burida là. Burida. Allô? Allô? Il veut même plus qu'on parle de Burida dans ses oreilles. Mais tellement vous avez rendu bruit dans Burida là. Finalement, on sait même plus si c'est Burida. C'est devenu Burida. Hein? Avant c'était Burida. Bureau ivoirien des droits d'auteur. Mais là, c'est devenu Burida. Bureau des récalcitrants utilisé pour l'instabilité et la destruction des artistes. Vous voyez comment c'est devenu. Les gens se moquent de nous. Mais je sais. Il y a une seule personne qui va tuer tout ça là au clair. Voilà. C'est qu'on va vous demander, hein, essayez de vous retirer un peu. Monsieur le ministre et moi, on va parler un peu quoi. Voilà. Monsieur le ministre, je viens vers vous. À vous même, vous venez ici. Oh, ok, venez donc. Voilà. Il est simple, hein. C'est un gars, il ne se complique pas. Il vient vers moi. Monsieur le ministre. Ça, c'est un truc. On est à huit clos partiel. Je dis, l'affaire de Burida là, c'est comment? C'est quoi le problème au juste? Fadalde a dit ça. Mais
Vous n'avez pas dit que c'est pas Sako qui. Non, pour lui, là, c'est réglé. Depuis que Asalfo est rentré dedans, c'est réglé. Mais il y a des gens qui disent qu'on n'a qu'à annuler l'élection qu'ils ont fait là-bas. Là. C'est-à-dire qu'ils ont fini de faire l'élection, on dit qu'on n'a qu'à annuler. C'est comme c'est de nous. Mais ça, là, comment on va régler tout ça? Ah, vous me demandez à moi de gérer ça. Merci beaucoup, le ministre. Ça, c'est vraiment beaucoup d'honneur que vous me faites. Voilà. Quelque chose pour que je boive de l'eau. Non, non, monsieur le ministre, on a... les gens nous regardent là. Je vais glisser ça sous la table. Voilà. Voilà. Non, monsieur le ministre, franchement, tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. C'est juste. Je n'avais pas compris, c'est vous qui avez raison. Ok, vous pouvez vous retirer. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le ministre. Bon, les gars, entrez maintenant. Voilà, venez. Voilà, écoutez. On va être franc. J'ai parlé avec le monsieur le ministre. J'ai parlé avec tout le monde. Finalement, le problème, je pense que le ministre m'a chargé de régler ça. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 4 avril au Palais de la Culture. Là, je vais vous donner le verdict final de cette affaire de Burida. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps. Actuellement, on est dans les arrêts de jeu. Rendez-vous au Palais de la Culture le 4 avril. Vous pouvez vous retirer maintenant. La séance est levée. Moi, je ne me laisse pas marcher dessus par n'importe qui. Je ne me laisse pas marcher. Je suis quelqu'un de très, très, très gentil. J'ai un grand cœur. Mais je ne me laisse pas écraser par de la merde. Je suis désolé. Voilà. C'est pour ça que je suis là où je suis là. Si je me laissais écraser par de la merde, je n'en serais pas là. Donc, j'ai envie de dire à une certaine personne qui a fait une vidéo. Vous savez, moi j'ai toujours été maniéré dans ma vie. J'ai toujours été maniéré parce que moi j'ai toujours été dans les jupons de ma mère. J'ai toujours été avec ma mère. J'aimais tellement ma maman. Excusez-moi, j'ai perdu ma mère il y a bientôt 2 ans. J'ai tellement été dans les jupons de ma mère que je suis quelqu'un, je suis maniéré en fait. Quand on me voit, on dit lui là, il est efféminé, il est comme ça. Donc certaines personnes prennent ça pour dire que lui, il est pédé. Mais moi, j'ai plus de couilles que vous, hein. Vous qui dites ça là. Moi, j'ai plus de couilles que vous. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai un problème avec quelqu'un là, je prends mon téléphone, je m'assois et puis je te prends par ton nom. Et puis je t'insulte comme il se doit ou bien je te dis ce que je pense. Et puis ça chauffe pas. Si c'est pas là, je sais bien me battre. Si c'est un jus là, dans la bouche là aussi là, Je n'ai pas dit autre chose, hein, mais je sais que je suis prêt. Voilà. Donc quand vous parlez en parabole, quand vous insultez les gens en Côte d'Ivoire, vous insultez toute la Côte d'Ivoire. On dit le procureur Adou, le procureur a dit de ne plus insulter sur Internet. Ok. Mais ceux qui ont insulté toute la Côte d'Ivoire, là, y compris le président de la République et sa femme, vous dites que vous n'avez pas peur de quelqu'un en Côte d'Ivoire, que vous-même vous êtes une autorité en Côte d'Ivoire. Vous insultez les autorités de la Côte d'Ivoire comme ça en disant ça? Non, mais attendez. Jean, que si nous on arrive à Abidjan, vous allez nous interdire d'arriver à Abidjan quoi? Moi-même. Moi, je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan. Toi, tu vas m'interdire de rentrer à Abidjan. Ah, faut avoir 2 pines. Quand tu auras 2 pines, là, tu pourras m'interdire d'arriver à Abidjan. Tu n'entends que toi, ta pine est 1 comme pour moi, là. Je ne pense pas. Ça va m'étonner même. Ça va m'étonner. Regarde-moi bien. Tu dis que tu n'as pas peur de quelqu'un, non? Mais en tout cas, je n'ai pas dit les autres, mais moi, personnellement, je n'ai pas peur de toi. Je n'aurai jamais peur de toi. Ça, il faut que tu saches ça. Tu dis que tu enregistres les vidéos des gens. Moi aussi, j'enregistre toutes tes vidéos, toi et ta petite soeur. Si tu sais une chose, c'est que traiter quelqu'un de PD, là, porteur de couche, là, c'est passible d'emprisonnement aussi. Il faut que ton avocat, tu n'as pas dit que tu as beaucoup d'avocats. Il faut que tes avocats là te parlent de ça, hein, mon ami. Tu vas parler, tu as assis en Côte d'Ivoire que tu as traité quelqu'un de PD, que quand tu vas rentrer en France, ça ne va pas te rattraper. Hein. C'est ici là même que ça va te jam même. Voilà. Donc si tu es malin, tu as fait que tu traites des filles de lesbiennes. Elles traitent d'autres personnes de porteurs de couches. Vous avez le droit d'insulter les gens, quoi.
Mais vous, dès qu'on vous insulte, vous êtes là, vous ça va à la police. Vous pensez que quoi? Vous avez le monopole des injures en Côte d'Ivoire? Ah non. C'est pas à vous d'insulter. Et puis les autres vont se taire. Je suis désolé, mon ami. En tout cas, ceux qui vont se taire vis-à-vis de vous, devant vous, là, j'en ferai pas partie. Voilà. Tu dis que tu as des fidèles à la police, tu as des fidèles à la justice, tu as des fidèles à la présidence. Mais tous ces fidèles que tu as à gauche, à droite, là, c'est des désespérés. Laisse-moi te dire ça, parce que un voleur comme toi, là, quelqu'un même qui s'assoit devant sa caméra pour dire à la Côte d'Ivoire entière qu'il est le roi des marmailleurs. Moi, si j'étais chrétien, ça m'étonnerait d'aller dans ton église. Ça m'étonnerait que j'allais aller dans ton église, quoi. Je n'allais jamais aller parce que quand on va à l'église, c'est pour prier le vrai Dieu et pas celui qui recherche l'argent. Celui qui s'assoit pour dire que oui, moi, tu es rentré dans politique, tu es pasteur, tu quittes dans pasteur, tu es DJ, tu quittes dans DJ, tu es politicien. On ne sait pas où tu habites. On ne sait pas où tu habites. Et regarde-moi bien. Il faudrait que toi, tu n'as pas peur de quelqu'un là. C'est comme ça que quelqu'un n'a pas peur de toi. Toi et puis ta bande d'avocats là. Faudrait que toi tu peux appeler avocat puis va te défendre là. Faut savoir que moi j'ai les moyens de me prendre des avocats aussi. Et puis j'ai des avocats. Tu dis PD non? Je vais te montrer que le monde appartient au PD. Faudrait que toi tu prends ton téléphone. Quand tu te connectes et puis tu dis, tu parles de sexe devant les enfants en Côte d'Ivoire. Tu parles de marmaille là. C'est un très bel exemple que tu donnes à la jeunesse ivoirienne comme ça. Quand tu regardes le président Ado, là, il rentre dans vos bêtises là. Tu l'as déjà entendu parler dans vos conneries là. Il parle pas haut. Lui, il agit. Il va rien te dire. Et puis, à ta grande surprise là, c'est toi qui vas être menotté en train d'aller quelque part. C'est là que tu as confirmé que Ado n'est pas ton ami. Et puis, tu parles de lui comme ça. Quand tu parles, oui, je vais appeler le président de la République. Je vais appeler. Toi, tu penses que Ado est ton ami quoi? Quand tu vas appeler Ado, puis il va répondre par lui, il t'appelle quoi? Il faut changer ton nom. Que je vais appeler le président de la République. Il va faire comme ça. Celui qui rentre dans mon affaire. Toi, grand voleur qui a été en prison. C'est toi qui va prendre ton téléphone. Tu te prends pour qui? Vous avez effrayé le ministre la dernière fois. Avec ta bande de pasteurs là. Une bande de vieux sorciers. Vous êtes allé vous mettre devant le ministre. Oh, si le ministre comme ça, il a failli fuir. Mais comme si on avait tendu un guet-apens à quelqu'un. Mais comme c'est un chef là, il s'est arrêté. Mais ce qu'il vous a dit là, vous avez entendu, tu vois. Vous n'êtes pas sourd. Toi, tu penses que toi, tu es marmailleur. Toi, tu as fait un vrai politicien. Toi, tu es un enfant. Quand tu dis que tu es fort là, il faut laisser les gens vont dire ça. Le sel ne se dit pas salé. Tu parles, tu parles comme ça. On dirait qu'on est en train de verser gravier dans l'assiette ivoirale là. Ferme ta bouche, les gens vont parler. Laisse les gens dire que toi tu es fort, mais toi tu n'es pas. Tu es un plaisantin même. Tu es un vrai plaisantin. Quand je vais venir à Abidjan, je t'ai appelé pour te dire que je suis à Abidjan. J'ai fait direct à Abidjan pour te dire que je suis là. Et puis je vois tes deux pines là. Ce que tu as fait, je vois clair dedans. Tu dis que tu es karatéka, tu as perdu ses fidèles. C'est-à-dire que vous voulez vous parler pour influencer qui même? C'est pour vous connaissez. C'est pour vous que vous connaissez. Ceux qui ont peur de vous là, mettez peinture sur eux. Je ne peux jamais avoir peur de toi. Mais jamais. En aucun cas. La Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme qui a m'interdit de rentrer dans mon pays. Je n'ai jamais été en prison dans ma vie. Parce que je n'ai jamais marmaillé quelqu'un. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne marche pas en prudence à moi. D'accord? Donc là, je défile dans le monde entier sans regarder derrière moi parce que je ne m'inquiète de rien. Tu n'es pas dans mon propre pays, pardon. Tu es malade. Toi, tu es malade. Quand toi, tu es en train de dire que oui, toi, tu viens à Paris ici, que quand quelqu'un va venir dans ta marmaille là, toi, tu as, si la personne n'est pas dans le caniveau, c'est que la personne est dans ton bout. Tu sais ce que ça signifie ça? Tu menaces de tuer des gens. Toi, tu as le droit de menacer de tuer. Et puis, tu dis que quand des voyous t'ont menacé de verser ton sang, donc ça, c'est une menace de tuer. Ça t'a dérangé. Tu allais porter plainte contre lui. Mais toi, quand tu dis que. Moi, j'ai allé là-bas. J'ai payé ses cueils et puis j'ai allé. Comme ça, quand tu vas me tuer, là, on me met dedans en même temps.
Moi, j'ai payé mon cercueil et puis je vais aller là-bas. Les gens que vous effrayez, là, mettez peinture sur eux, mon ami.